Hop, vous pouvez faire vos initiatives, je dois faire mes initiatives à la main. Ok, à la main. Ah, bah voilà. Ah, le retour du 1. Hein. Un jet vert, un jet rouge, comme d'hab. Paf. Décidément, il y en a pas mal aujourd'hui des critiques. Non, mais c'est pas aujourd'hui, je vous jure. Ça fait au moins 2 semaines, je vois que ça. Et 4 et 5. Que... 15, 10, 13, 7. Yo. Owen. Ouais. Vous les avez bien repérés dans les rues avec les cuinements, etc. Mais... Anevia, pense à Anevia, s'il te plaît. Oui. Pense à Anevia. Ah, j'allais dire Enki. C'est vrai que Anevia est toujours là. Parce que 55, on se parlait comme ça. N'oublie pas notre ligne arrière. Son chien, c'est PNJ, vous pouvez pas les débarrasser, on fait que des rencontres aléatoires. Hop. Non, mais là, en plus, dans la circonstance, elle va être carrément utile. Voilà. Du coup. Alors, vous ne pouvez pas monter sur les toits. Hein. Oui, non, mais. là, on n'est pas sur le toit, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Voilà. Voilà, je vais déplacer là. Quoique, attends, de toute façon, je suis pas à portée pour l'autre. Je crois même pas que. Attends, j'étais là. Ouais! Bah non, oui, enfin, t'es obligé de contourner, 9, c'est la merde. 9 et 6, ouais, bon, c'est la misère sexuelle. Ah bah oui. Là, oui, c'est bon. Elle est bien cette petite map. Paf! Voilà. Auric. Eh bien, j'avance aussi, je fais 2 déplacements jusqu'ici. Du coup, je peux utiliser une action simple quand même. Oui. Du coup, j'utilise coup au but. Oui! Tu castes ton sort. Alors, 2 secondes, il faut que je fasse un truc. Toi, tu t'appelles 2. Tu t'appelles 3. Y a pas de restriction sur le nombre de fois où tu peux utiliser. De quoi coup au but? Ouais. C'est un nombre de sorts par jour. Ok. Le rat 2. C'est qui le rat 2? Mais il est déjà parti, Orgus, non? Ah bah oui, Orgus n'est plus là. Hein. je regarde Anevia, voir si elle s'est un peu décoincée depuis. Non, toujours pas, non. Bon, lui, par contre, il a parfaitement l'occasion de... Youh. Venir te mordiller la jambe. Merde, en fait, je la regagne pas. Et de faire un merveilleux échec critique. Ah, est-ce qu'il se mord la queue? Ce serait parfait, mais... Il se mord la queue. Bah. Alors... Quel rat nul. Le rat 2. Hein. Le rat 2. En même temps, il s'appelle même pas rat sanguinaire 2. Lui, c'est juste rat 2. c'était chiant à taper, rat sanguinaire 2. Est-ce que du coup, il se mord... Est-ce que ça a une langue, les rats? Oui. Est-ce qu'il se mord la langue et du coup, il y a un saignement? Ok. il te mord à la jambe et il semble ne pas aimer le goût. Donc il relâche, ne te fait pas de points de dégâts et est fiévreux pendant... Oh putain. Alors personnellement, je m'éloignerai... Pendant 6 tours. Tout va bien. Kaliawen.
Alors, Kaliawen, pour commencer, je vais charger un rayon glacial sur mon arme. Ok. Rayon de givre, oui. Oui, un rayon de givre. Et j'ai le droit à 9 mètres, et donc on va... tu m'autorises à... Là, tu m'autorises. Oui. C'est pas en toi, c'est pas... Oui, oui, non. Les bords sont free. Enfin, pas ces bords-là, pas ces... Voilà. Ouais. Et je... Je vais dépenser un point de réserve pour mettre plus un sur mon arme. Ok. Le rat 4 va... Vous entendez un grattement sur un mur. Anevia. Anevia est bien embêtée. Elle va se mettre là. Peut-être tirer sur le rat au-dessus. Ok. Ok. Les deux flèches touchent le rat. Qui s'effondre. Dans un cuinement. Colnèche. Alors, petite parenthèse, au final, j'ai relu mes trucs. Oui. L'affaiblissement temporaire, elle concerne la caractéristique qui est diminuée par le communautogène. Mm-hmm. Et je récupère un point par jour reposé. Ok. Ou par restauration partielle, totale, et machin. Ok. Donc, en fait, mon moins 2 était sur la force. Ok. Et je commence à être un... Moins 1 de mode, est-ce que c'est une... Enfin, je vais savoir après. Non, c'est pas une gêne. Enfin... Oui, non, c'est pas. C'est au 0 de base, en fait. Voilà, c'est à 0. Ouais. Bon, si tu commences à arriver à 6, 3, etc., ça se joue en roleplay, mais voilà. Ok. Je vais me déplacer, primo. On en est où ouais. Déplacer ici. Est-ce que ici je gêne Ah bah hier on pourra pas passer. La rue elle fait que 1m50 de large. Ah bah elle fait 1m50 de large. Ouais j'ai de saut pour passer au-dessus de toi hein. Oui, je suis 15 cm. J'ai la combatie, oui alors là vous avez pas fini de rigoler les gars. alors moi je veux voir ça hein. Alors moi je viens de là C'est... Et je peux pas passer de toute façon après là. Bah non. Non parce que t'as la. Ah bah oui. Ah ouais, c'est la merde des petites rues hein. Ah bah heureusement que vous avez dit de les attendre ici puis pas de vous engager dans les ruelles. Bande de cons. Ah bah ils ont bien écouté hein. Ah oui totalement. Oui bah comme ça c'est vrai que comme ça on les aura attendus, il y aurait qu'un mec devant qui pourrait les taper. Mais non, c'est, mais c'est vrai que ça a beaucoup de sens aussi. Tu captes pas, c'est comme ça en fait. On est déjà dans des ruelles, bande de débiles. Mais non, c'est pour la canalisation de l'énergie positive de du nain. Bon bah, je me colle contre Anevia hein. Je veux que je te dise. Voilà. Ok, c'est au rat 3. Le rat 3 va... Pataclop, 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 pataclop. Apparition inexpliquée. Oh. Et... Je fais signe à Anevia de me laisser... peut-être pouvoir me laisser passer après. De te laisser passer entre ses jambes. Après, il a grimpé au... Oui. Sur le toit. Oui. Bah, il est mauvaise. Bah, comment il fait? Le toit, ah bah, il grimpe. Ce sont des rats sanguinaires, hein, donc... Non, mais d'accord, mais le toit, c'est un toit en V, on est d'accord que... Il finit... Bah oui, mais il y a un rebord, quoi, comment il fait? Tu veux que je fasse son test d'escalade, vraiment? Bah oui. Ok. Il se casse la gueule. Échec critique. Putain, il fait un échec critique, le con. Ok. Mais c'est Est-ce pas que... possible. Eh ben, je décide qu'il fait 10 sur son jet et il réussit. Voilà, oh, il est sur non le toit. Il oh, est en... Respect. Imagination. La hauteur du toit, elle est de combien? 3, 4 mètres. D'accord. Putain, quoi.
Est-ce que par hasard, dans la bout de carte que je ne vois pas et qui n'existe pas, est-ce qu'il n'y aurait pas une ruelle qui borde ce bâtiment qui permettrait d'entrer le tout par la droite? Il y a probablement... Ah oui, sur le... Ouais, on va dire que ouais. Voilà, bon, bah écoute... Tu sors de la carte. Je sors de la carte et je vais rentrer... Je vais faire mieux, il ne reste que les fondations à cette maison, il n'y a plus de murs. Oh okay. Je traverse les ruines. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est 6 cartes, c'est ça le... C'est 6 cases et un déplacement standard ? Oui, c'est 6 cases. D'accord. Donc, si j'ai bien compté, je suis là avec un double. 3, okay. 4, 5, 6, triple déplacement si je peux courir, si le terrain n'est pas difficile. Bah en fait, ouais, tu peux non, encore faire. Non, bah tu dis, hein, si les pavés sont complètement saccagés. Non, c'est que des ruines, enfin, c'est des ruines, il faut pas se prendre la map comme ça. C'est des maps que j'ai pris pour faire des battle maps, oui, je non, mais justement. Voilà, il y a des ruines, il y a des gravats, etc. C'est pas possible de courir facilement. D'accord, donc double déplacement seulement, je m'arrête ici. Ok. Le rat 5. Ah, le rat 5 va me mordre. Ouais, tenter. Il va tenter. Il va tenter. C'est pas gagné. Je suis un peu la chips du groupe quand même, je le rappelle. Oh, t'as combien de classes d'armure? Bah 13. Ouais, c'est bon, ça passe pas. Owen. Ah, bah, je vais lui mettre un coup de bouclier au pauvre rat. Alors il va falloir te baisser un petit peu, hein, mais... Oui, un coup vers le bas. C'est pas grave, j'ai coup au but. Je vais réussir à le toucher. Ah oui, t'as plus 20 à ton prochain jet. Vas-y. Oui, oui. Vas-y, fais ton jet. Le rail, bah, Et heureusement. 27. 27. Heureusement. Tu écrases le rat contre le sol. Sprouch. C'est quoi comme bouclier que tu as? C'est un écu ou... Oui, un écu à pointe. Avec une pointe comme ça au bout. Un écu à pointe. Bah après, il n'y a pas de définition sur pointe. En fait, les pointes, ça peut être qu'une seule grosse pointe, ça peut être plein de petites pointes, ça veut... Disons que c'est toi qui choisis. Ça pique, d'accord. Quoi, c'est l'essentiel. Horrible. Alors, moi, je me déplace... Je me déplace ici et j'attends. Ok. Le rat 2, il est mort. Il vient de mourir. Par contre, on est d'accord, Inkimi, sur le coup au but, c'est au toucher, hein, le plus 20. C'est un bonus d'intuition, c'est pas les dégâts. Oui, c'est bien le toucher. Oui, non, on est d'accord. Voilà. Ça reste des rangs. Hein. Oui. Kaliawen. Ah, j'avais pas vu que t'avais une image dans le Discord. Et donc, Kaliawen va mettre un coup de Morgenstern à lui. Avec le rayon. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Donc je rajoute 2d3. Hein. Je rajoute 2d3 quand même pour le fun. Ouais, non, je vais le rajouter un d6 en fait. Minimum 2, on va pas se faire chier. Voilà. Plus 0. Voilà. Bon, plus 4. Eh ben, il est envoyé sur orbite et vous le looterez pas. Voilà. Il y a rien à looter sur des rats. Non, il y a rien à looter sur des rats. Rat 4. Le rat 4 vient de voir son pote s'envoler vers notre tien. Home run. Rat 4. Le rat 4 se place là, il va faire un test de saut. Ah! Ah oui, mais de toute façon, s'il le loupe, il va le réussir. C'est donc une acrobatie, non? C'est une attaque, je sais pas. Parce que moi, enfin, je sais pas, par exemple, moi, quand je faisais le saut avec un moine, c'était... Il fallait que je fasse... Oui, ça doit être acrobatie. Oui, c'est acrobatie. Ça vous va? Waouh. Bon, est-ce qu'il s'envoie sur... Ah, il me saute dessus, carrément. Bah oui. Là, ça va être compliqué. Ah, le salaud. Ce qui lui donne un bonus, hein. Il déclenche pas l'attaque d'opportunité. Bah, il a fait un critique au bout d'un moment. Alors, en plus, il fait un critique à son attaque. Putain. Qu'il confirme. Attention. Ça fait juste 3 critiques à la suite. Hein. Moi, je dis ça. Putain.
Vas-y, annonce la douloureuse. Hein. Pff, tu vas rire. Hein. Tu prends 5 points de dégâts. Mais quand même. Et tu fais un jet de vigueur. Défense, fortitude, save. Je suis fiévreux. Difficulté. Non, c'est difficulté 11 si tu réussis. Tu ne contractes pas de maladie. Ah. Est-ce que, avant qu'Anevia ne joue, est-ce qu'on peut faire une attaque combinée ? Tu veux faire quoi ? Lancer ma bombe et qu'elle puisse toucher une zone. C'est-à-dire, vu que ma bombe explosive, elle peut aller jusqu'à 2 cases. Mmh. Donc si je la fais sauter ici, ça toucherait les deux, en fait. Ça toucherait Kalia Wed aussi. Hein. Sauf si je rajoute précision. Que ouais. Je peux rajouter à ma bombe explosive et que je... Que oui. J'évite à Kalia. Mais pourquoi tu veux une attaque combinée, du coup ? Ah, tu Parce veux que échanger... si je la jette ici, en fait, je ne toucherai pas l'autre. C'est pour ça que je compte sur la hauteur aussi. Et vu qu'il est à 4 mètres, si je la jette, si elle est, on va dire, si ma bombe est percutée à 2 mètres de hauteur, normalement les deux rats sont touchés. Oui, bah t'as pas besoin d'attaque combinée pour ça. S'il veut lancer sa fiole et qu'elle lui tire sur la fiole avec ses flèches pour d'accord, faire péter ouais. Le truc en l'air. Parce que si je la jette, oui, okay. Elle va tomber au sol et donc l'autre ne sera pas touché. Faites son jet de bombe, elle va faire son jet d'attaque. Le move, quoi. Ah oui, merde, faut que je l'essaye. Mais par sachant contre, que... sachant que les dégâts... Il y aura que les dégâts d'aspersion qui sont pris. Qui font 6. Alors attends, que... ouais, c'est ça, c'est 2 plus... Enfin, c'est le minimum, donc c'est 2 plus 4. 2 plus 3, j'en suis où ? Non, ça fait 2 plus 3, donc 5. Ça fait 5 dégâts minimum, plus que je retrouve ma compétence de bombe. Elle est où ? Elle est où ? Elle est là ? Non, elle est pas là, non. Oui, j'ai foutu où, bordel le cul ? Il faut que Canevia touche avec son arc. Sur une cible en mouvement. Oui, non, ça ne touche pas. Oh, salope. En gros, ce qui se passe, c'est que tu lances sa bombe, ta bombe, elle tire. À ce moment-là, le rat profite pour faire une attaque d'opportunité. Elle se fait mordre, elle se fait déconcentrer, sa flèche part n'importe comment, ta bombe atterrit plus loin et tu seras là. Ah ! D'accord. Ah, ça va, c'était celui à tuer. Le rat 3 est mort, le rat 5 est mort. Il reste le rat 4, il reste le rat ninja. Hein. Il reste le rat ninja, ouais. Donc il y a eu aucun dégât sur le rat ninja ? Non. D'accord. Mais là il est pris en tenaille, il va se rouler dessus le rat ninja, tu vas voir. Oui, bah pas par moi, parce que j'ai fait un double déplacement pour arriver jusqu'ici. La merde ! C'est moi qui te l'offre. Ah ouais, non. Bon, ça se marche un peu dessus, ça devient compliqué. Oui. Putain, c'est de la merde. Ah bah... Allez, Ruel, c'est de la merde. Voilà, bah... J'encourage Asta, j'ai dit... Non, non, c'est pas... Kalia, tu encourages Kalia. J'encourage Kalia, je fais... vas-y, tu peux le faire. Voilà. Rick. Alors, je vais ici, à côté de Kalia, et je lui pose une main sur son épaule et je lui fais une assistance divine. Plus un jet. Oui. Alors, il a fait son attaque d'opportunité, le rat ? Oui. Bah donc, je charge ! Bah qui te dit, il peut en avoir plusieurs, hein ? Je connais pas les caractéristiques des machins. Vu la gueule des rats, non, des patons, hein. Peut-être. Ah, je pense que tu peux tenter, player, t'inquiète. Je tente quand même. Je tente de charger le rayon glace sur mon arme et... Claque pas tout, c'est un rat, hein. Non mais le rayon de glace donc, je peux le faire, je... L'autre tu l'as atomisé, bon ça sert à rien d'en atomiser deux. Hein. Écoute... Vous pourrez pas les looter. Vous pourrez pas les looter. Oui, c'est dommage. D'ailleurs Mora il est tombé dans la maison. Ah bah je l'ai supprimé de la réalité. Voilà, et il se prend un des troncs en plus, voilà. Oui, il y a pas besoin, il a 5 points de vie, le pauvre. Mais je t'avais dit. Ah, putain, père au front, tiens, ma Morgan Chern, c'est bien ça.
offrant. Père offrant, oui. Oui, mais j'ai pourtant... Mais alors, c'est ça qui est bien, c'est que... Ah, oui, mon curé, plus, quoi. Après, je l'avais mis en place. Je connaissais pas ce type de dégâts, j'avais pas vu. Les dégâts père offrant, je crois qu'il a une résistance là-dessus. Laisse-moi vérifier. Bien. Après cette interlude face à des rats sanguinaires ou des rats ninjas. En fait, on est tellement tombé sur les ennemis clodo cette fois, alors que sur le premier rencontre aléatoire, on est peut-être tombé sur un des plus durs ou un des plus chiants. Le hurleur, ouais, c'était un des plus corsés. Il y a rien à loot, on est d'accord. Sur les rats, oui. C'est des rats. Ça dépend, tu voulais bouffer. Est-ce que tu veux de la viande de rat, de la peau de rat, des splinters? C'est pas un rat albinos, pas un truc rare dessus, non, on est d'accord. Non, c'est des rats. Donc il n'y avait aucun intérêt à ce que tu nous supprimes deux autres rats pour le loot. Ah ben c'est ça. il vient de le comprendre, hein. Il est mignon. Est-ce qu'on peut garder le calef de celui-là et l'appeler Splinter? Ah ben non, il est mort. Ah, il se décompose. Bah, Splinter aussi est mort, non? Oh, pardon, le spoil, excusez-moi. Il nous a spoilé Tortue Ninja. Foiré. Putain, quoi. Bien, vous arrivez donc à la maison des tirs à blé. Sa maison se situe dans la partie sud du district des portes. Du moins, ce qu'il en reste. C'est pas du tout la partie sud d'un district, mais bon, c'est ce que la description me dit. J'avoue. Et bon, en fait, la maison des portes, c'est toute la couronne, hein, il me semble. Avec la partie au nord, celle des commerces. J'ai la flemme de vérifier. J'ai regardé la map, on m'a dit que c'était là, j'ai mis le token là. La maison est relativement intacte. Elle n'a pas été détruite. Le quartier en lui-même, bon, il y a des gravats, il y a quelques maisons qui ont été détruites. Quelques maisons en feu, mais la maison d'Anevia est encore intacte. Et vous voyez au fur et à mesure que vous approchez qu'elle est de plus en plus anxieuse. Et vous finissez par entrer dans la maison. Et est-ce que je peux suggérer une petite pause maintenant ou à peine plus tard si c'est stratégique, hein. On peut faire une petite pause maintenant. Ça m'intéresse aussi. Ok. Comme ça, je peux aller me rechercher une bière. franchement... Je reviens. Pareil, je ne fais pas de tout l'échec critique en buvant de la bière, donc on va rester comme ça. Voilà, je mets vos tokens, je vais couper le vocal histoire que vous puissiez discuter, etc. OBS, où es-tu? Voilà, à tout à l'heure. À toutes. À tout de suite.